Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous. Donc, nous sommes ici donc, pour la dernière conférence en fait, d'un cycle qui a commencé en début d'année 2019 et qui a été mis en place par les laboratoires CNRS qui sont ici à Poitiers dans le contexte donc, des 80 ans du CNRS qu'on fête donc, cette année, le CNRS ayant été créé en 1939. Donc, on a réuni pour cette dernière conférence 5 orateurs autour du thème intelligence artificielle pour la santé. Donc, moi, je me présente quand même rapidement. Je suis directeur d'un des laboratoires CNRS ici, qui est le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Et vous avez ici des représentants de 3 ou 4 autres laboratoires CNRS dans la région, sachant que l'intérêt de ce cycle de conférences, c'était aussi d'avoir des points de vue multidisciplinaires sur le même objet, donc en l'occurrence ici, intelligence artificielle au service de la santé, avec des regards issus de toute une série de disciplines. Alors, normalement, le délégué régional du CNRS qui gère toute la région Centre et Poitou-Charentes et Limousin doit arriver, mais donc il prendra comme il n'est pas là pour le moment, il prendra la parole en fin de conférence. Donc je laisse la parole maintenant au premier conférencier qui est monsieur Pousset. Donc l'idée, hein, c'est des présentations courtes d'une douzaine de minutes à peu près pour chaque conférencier qui vont se suivre. Éventuellement, peut-être une ou deux questions à la fin, mais très courtes. Et à la fin, une table ronde où le public pourra intervenir. Etc. Voilà. Oui, c'est bon. Parfait. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Yannis Pousset. Alors, je sais pas. On reste assis, on se met debout, on fait comme on veut, ou comme je veux. Bon, je me mets debout. Ça sera un peu plus simple. Donc je suis enseignant chercheur à l'université de Poitiers, au sein du laboratoire Exlim, comme ma consoeur ici présente, Christine Fernandez. Et voilà, ça me fait plaisir d'être parmi vous pour un peu discuter, j'ai 10 minutes hein, visiblement là-dessus, autour de l'IA au service de la santé. Lorsqu'on parle d'IA, on parle de données, une grande quantité de données. On est dans le big data. Et dans ce contexte-là, ben, ces données sont généralement là pour nous permettre, via l'IA, de prendre là où les meilleures décisions, là où les décisions les plus intelligentes que possible. Mais lorsqu'on parle aussi de données, on parle de la façon de la collecter. Et cette manière de connecter, de la collecter, fait référence beaucoup à la communication numérique, et notamment aux objets connectés. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que je suis parmi vous pour un peu discuter de ces objets connectés au service de la santé et en lien, bien évidemment, avec l'IA. Donc, mon exposé tournera dans un premier temps brièvement autour d'un historique, hein, autour des communications numériques, suivi des défis que l'on peut rencontrer dans ce contexte-là. Et puis, j'essaierai, je tenterai d'illustrer ça à travers quelques cas, justement, en lien avec, avec la santé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est les communications numériques ouvertes au grand public, c'est quand même relativement jeune, hein, ça date de 40 ans. On a connu 4 générations, sachant que d'une génération à l'autre, il y a une période de 10 ans. Donc la première génération, finalement, a été l'objet du transfert de quelques kilobits de données par seconde. Et ensuite, la 2G a permis justement l'entrée dans l'ère du numérique. Et ensuite, après, tout s'est accéléré, hein, en passant par la 3G et la 4G, puisque en lien, bien évidemment, avec un nombre d'usages et d'usagers relativement important, il a fallu effectivement parer à cette qualité de service souhaitée. Donc, on a connu finalement une recrudescence de la rapidité, de la quantité de données à faire remonter, justement, dans ce contexte-là. Et puis là, on arrive en fin de cycle. Ouais, ça fait déjà 10 ans. Donc, la 4G, c'est terminé. Et donc, vous avez tous entendu parler de la 5G. Donc, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, c'est demain. Où là, ben, finalement, on a affaire à un certain nombre de défis en lien avec l'accessibilité justement à la donnée. Et donc, parallèlement à ça, on voit un nombre recrudescent aussi de normes de communication sans fil. Vous en connaissez un certain nombre. Hein. Si je vous parle de Wi-Fi, vous savez de quoi il s'agit. Si je vous parle de Bluetooth également. Mais finalement,
en lien avec différents usages. Vous avez quasiment par usage ou par secteur d'activité une norme de communication pour l'industrie, pour le maritime, pour le transport et notamment aussi pour la santé. Et donc toute la question, c'est de savoir comment finalement toutes ces normes doivent communiquer entre elles sans créer d'interférence et finalement rendre cette donnée viable. Et donc finalement, vis-à-vis de ça, on a cette grande quantité de données à collecter, à transmettre. On est justement face à ce défi d'interférence, faire interférer justement un certain nombre de protocoles, de normes de communication. Et la question, toute la question entre autres de la 5G, c'est comment rendre ça, tout ça interopérable. Et puis à terme, eh bien, on imagine justement que ces objets soient entre eux relativement intelligents pour s'acheminer et faire en sorte finalement que cette qualité de service souhaitée par les différents usages ou usagers soit effectivement pourvue. Donc on part de très peu d'usagers à quasiment un potentiel de tout objet connectable. Et finalement, l'usage n'est limité que par notre imagination. Voilà vers où on risque d'aller. Alors, juste un petit topo sur le fait de dire que ouais, le nombre d'usagers, la croissance de tout cela est quasi exponentielle. Et à raison de demain, c'est-à-dire 2020, on imagine 7 fois plus d'objets connectés que d'habitants sur Terre. Donc plus de 50 milliards d'objets connectés, sachant que simultanément, plus de millions d'objets doivent communiquer en même temps. Donc toute la question justement de l'interférence. Donc comment faire en sorte effectivement que la donnée que l'on veut transmettre pour un usage particulier puisse arriver dans toute son intégrité, son intégralité. Comment s'y retrouver à travers tout ça? Parce qu'il n'existe pas de normes universelles. Quasiment par type d'application, par type d'usage, une norme. Donc on imagine un certain nombre de critères, notamment la portée, c'est-à-dire la quantité d'énergie que je dois donner à mon information pour transiter d'un point A à un point B, le débit, c'est-à-dire la quantité de données que je dois transmettre par seconde, liée bien évidemment à l'usage, la robustesse, c'est-à-dire la fiabilité de l'information, de la donnée que je veux transmettre, l'autonomie énergétique, bon, c'est un terme qui parle à lui tout seul, hein, puisqu'on est notamment dans ce contexte de très peu énergétique et bien évidemment de telle sorte qu'à ce que l'objet lui-même puisse durer le plus longtemps que possible, la topologie du réseau, c'est-à-dire comment acheminer, comment mettre en place une architecture de ces objets pour finalement faire transiter l'information de manière la plus adéquate en lien, bien évidemment, avec l'usage. Donc, face à cela, eh bien, le défi, il est le suivant. D'une part, on a besoin d'IA au niveau de la donnée pour prendre, comme je le disais il y a quelques secondes, la meilleure ou les meilleures décisions. Mais on a aussi besoin d'IA pour donner un petit peu à notre réseau de l'intelligence. C'est-à-dire, face à ce défi justement que sont, ces défis que sont les services, vous voyez, typiquement par rapport à la santé, je peux juger ou considérer un service comme étant plus prioritaire qu'un autre. Vis-à-vis de cela, je dois faire en sorte, ou mon réseau doit faire en sorte, effectivement, de mettre en place une stratégie pour pouvoir satisfaire justement cette qualité de service souhaitée. Un peu à l'image du corps humain qui, pour une température interne de 37 degrés, doit mettre en place une stratégie de telle sorte à garantir cette température, quel que soit l'environnement. Et Dieu sait combien l'environnement effectivement lié aux communications numériques est variable. Donc d'une part, effectivement, mettre en place cette stratégie de manière à pouvoir allouer les ressources du réseau en termes de fréquence, en termes de consommation énergétique la plus adéquate que possible. Et puis d'autre part, eh bien, j'ai parlé de normes de communication. Quelle norme pourrait être la plus adéquate pour tel service? Donc, un peu d'apprentissage ne fait pas de mal, justement. Donc, un peu d'intelligence ne fait pas de mal pour pouvoir garantir ces deux facteurs-là. Et puis, lorsqu'on parle d'IA, on parle aussi d'algorithme. Quel algorithme est la plus adéquate, la moins complexe en termes d'optimalité? Parce que la complexité est bien évidemment aussi également liée à la consommation énergétique. Donc, quand je vous dis ça, eh bien, quelques cas pratiques. Je pense que je vais remporter le défi de 10 minutes. Premier cas applicatif en lien avec la sécurité des lieux, des biens et des personnes. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si j'ai... Bon, ça ne marche pas, je vais y aller. Lorsqu'on parle justement d'identifier des ruptures de comportement.
Alors, ces ruptures de comportement sont, en termes de prévention et de diagnostic, typiquement pour des maladies cardiovasculaires, on doit mettre en place, on doit identifier justement le patient ou un certain nombre de critères physiologiques liés au patient pour dire, ben voilà, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est moins bien, et identifier justement, prévenir les cas à risque, ça c'est une chose, mais aussi dans un contexte effectivement plutôt lié à son domicile, au niveau de ses habitudes, être capable d'identifier justement des comportements bizarres. Donc ça c'est une chose au niveau de la donnée, mais aussi au niveau du réseau, faire en sorte, en fonction du nombre de données collectées relativement hétérogènes, de température, de luminosité, et j'en passe, être capable effectivement de mettre en place via l'IA une stratégie, comme je le disais précédemment, de manière à pouvoir collecter de manière la plus fiable que possible cette donnée, ça c'est une chose, et puis aussi choisir la norme de communication qui convient le mieux en fonction de tel ou tel capteur, donc en fonction de telle ou telle donnée. Donc ça c'est la première application. La deuxième, toujours en lien avec la notion de réseau de communication, là du coup, la donnée, elle, est envoyée via des ondes lumineuses. Puisque j'ai parlé il y a précédemment, enfin quelques minutes, de cette notion de grand nombre de normes, donc d'interférence des ondes électromagnétiques. Lorsqu'on parle d'ondes optiques, la question de l'interférence ne se pose plus. Et donc l'idée première étant de sécuriser justement la transmission de la donnée à travers un certain nombre d'applications relativement sensibles. Et enfin, la dernière application, alors peut-être que là je vais, si ça fonctionne, voilà. Lorsque je mets en place effectivement dans le contexte de bus itinérant, où je dois pourvoir un certain nombre de données, sans mettre en place de stratégie, voilà, la donnée n'est pas fiabilisée. Alors que lorsque justement je considère une stratégie, eh bien, je fais en sorte de la fiabiliser, de la rendre stable, toujours de manière à pouvoir... desservir un service souhaité par l'usager. Donc voilà, je vous ai listé 3 cas et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc Angélique Périat-Mercereau qui va nous parler donc de l'utilisation des mathématiques dans l'imagerie médicale et son application à l'étude des tumeurs du cerveau. Donc bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Donc je m'appelle Angélique Périat et je suis actuellement ingénieure de recherche au CHU de Poitiers. Je vais vous parler de mathématiques et de Guillaume, une histoire d'opération. Et donc en entendant ça, normalement il y a 2 réactions qui se font voir. La première c'est « Eh merde, des mathématiques, super !» Mais la deuxième c'est quand même « Tiens, il y a une histoire de CHU, de tumeur, c'est particulier, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. » Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas exactement les premiers à s'intéresser au cerveau et aux tumeurs cérébrales. On a retrouvé des crânes qui avaient des signes de trépanation qui dataient de plus de 12 000 ans. En 2800 après Jésus-Christ, on a aussi les Égyptiens qui, dans les papyrus, font des états de fait de tentatives de soins au cerveau. Je ne suis pas sûre que percer des trous dans des crânes de personnes vivantes et bien portantes ait aidé, mais bon, en tout cas, ils ont essayé. Après, on a des noms, hein, comme Galien, qui ont trouvé beaucoup de choses en faisant notamment des dissections sur les animaux. Et puis après, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'était compliqué, hein, parce qu'avec tout le poids de la religion, on n'arrivait pas vraiment à avoir de nouveaux résultats. Et il aura fallu attendre le XIVe siècle et la République de Venise pour passer d'une vision du cerveau qui était à peu près ça en 1450 à celle-ci en 1550. Pourquoi ? Parce qu'on commence à faire des dissections et à voir comment ça se comporte anatomiquement. C'est plutôt cool. Mais anatomiquement, ça ne suffit pas vraiment. Et il aura fallu attendre le XVIIe siècle pour l'étude du système nerveux qu'on dit en action, notamment avec les travaux de Vieusens ou de Morgagni, et pour voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Bon, je vous rassure, hein, on n'est plus du tout là-dessus. Maintenant, on a un outil vraiment fabuleux qui s'appelle l'IRM. On en a plein au CHU de Poitiers, hein. Vous venez quand vous voulez. Et ça permet d'avoir donc plusieurs séquences, des séquences anatomiques, bien sûr, pour voir les différentes parties du cerveau, mais des séquences aussi de diffusion, pour voir comment se diffuse l'eau dans votre cerveau, de perfusion, pour voir le débit sanguin cérébral, des séquences fonctionnelles, ça c'est typiquement quand je vous parle de maths, ça s'illumine,
et donc ce qu'on appelle nous la SRM, où on va regarder la concentration de diverses molécules appelées métabolites dans des petits cubes dans votre cerveau. Ça, c'est génial. C'est ce que vous faites quand vous passez un examen très complet, certes, et c'est vraiment bien. Mais ça pose quelques soucis, notamment le premier, on a plein de données multimodales qui viennent de partout, lesquelles sont intéressantes, lesquelles le sont moins, pas toujours facile de faire la part des choses. Et le deuxième, bah, c'est un peu la photo sur votre carte d'identité. Est-ce qu'elle ressemble à qui vous êtes maintenant? Je ne sais pas. Vous pouvez me le dire, mais moi, je ne sais pas vraiment. Et ben, quand on vous fait passer des IRM, on a ce que vous étiez à cet instant-là, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ces cernes-là, c'est pourquoi? C'est pour un divorce ou un troisième enfant? Ce n'est pas clair non plus. Ben, les mathématiques, c'est ce qui va permettre de faire ce lien, en fait, de savoir ce qui s'est passé entre des données qui sont vraiment fixées en temps. Donc, plusieurs choses. Ça, c'est biologiquement ce qui se passe. On a plein d'idées, plein de valeurs, plein de paramètres qui sont reliés entre elles de plein de manières différentes, ou qui peuvent l'être, en tout cas. Nous, on va essayer d'identifier donc, des agents plus intéressants, plus importants, qui vont plus impacter la dynamique, et certains liens entre eux qui vont être plus forts. Ça va nous permettre de comprendre une dynamique complexe en la... Je ne vais pas dire réduire parce que c'est peut-être pas très gentil, mais en tout cas en ayant son squelette, en ayant vraiment les interactions principales et comment ça va faire évoluer tout le reste principalement. En quoi c'est intéressant? Bah, parce que ça permet déjà de compenser le manque de données patients, parce que oui, l'examen où vous n'avez pas été, bah, nous c'est vachement dur de traiter ça. Ça va nous permettre aussi d'élaborer, tester, soutenir des hypothèses, parfois les réfuter. Parce que si on a quelque chose qui ne s'est pas vraiment passé, ben, on peut voir pourquoi, comment. Et surtout, et ça c'est bien, ça va nous dire lequel de ces trois-là impacte le plus fortement la dynamique et donc lequel il faudrait focus pour proposer des stratégies thérapeutiques. Donc ça va nous aider à vous soigner. Mais les mathématiques, les modèles, parce que je parle bien de modèles ici, on en a plein. Et ça va dépendre de ce que vous voulez vraiment voir. Déjà, on peut choisir l'échelle. Est-ce que vous voulez suivre toute la tête, un tissu, des cellules ou les métabolites dont je vous parlais tout à l'heure? Ça va donner des modèles différents. Est-ce que vous voulez suivre quelque chose in vivo? Ça va être notre cas avec l'IRM, mais on peut faire aussi des modèles qui s'adaptent in vitro pour les boîtes de pétri, les microscopes, et des modèles in silico qui suivent directement les choses par ordinateur. On a également le choix de la représentation. Par représentation, j'entends, c'est la manière dont vous voyez les choses. Typiquement, une tumeur, ça peut être soit considéré comme une masse entière, uniforme, c'est ce que notre petite tumeur voit ici, et dans ce cas-là, on va pouvoir plus suivre des choses, des interactions mécaniques, géométriques, ou alors vous pouvez considérer que c'est plein de petites cellules qui interagissent entre elles. Et là, ce qu'on va plus voir, c'est des taux de prolifération ou des taux de mort. Et comme ça, on a différentes manières de considérer ce que l'on veut modéliser. On peut même se dire que les cellules tumorales et les cellules saines jouent entre elles un jeu où elles ont des stratégies différentes pour voir laquelle va gagner dans quelles conditions. Et ça, ça existe, hein. Il y a plusieurs papiers là-dessus. Ça s'appelle la théorie des jeux, ça s'applique très bien au cancer et ça donne de très bons résultats. Mais c'est peut-être pas sur les échecs, je ne vais pas vous mentir. Alors, pourquoi ça peut être intéressant dans le cas des tumeurs? Parce qu'il y a plein de comportements tumoraux qu'on a envie de suivre, notamment les mutations, la carcinogenèse, l'hétérogénéité cellulaire, les changements énergétiques, la néoangiogenèse, donc la création de nouveaux vaisseaux sanguins par la tumeur, les actions mécaniques de la tumeur sur le milieu sain et inversement, tous les phénomènes d'invasion, comme la diffusion ou les métastases, et bien sûr les thérapies et comment optimiser les thérapies. Maintenant, un petit cas précis, je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant ma thèse. Durant ma thèse, j'ai étudié le lactate. Le lactate, c'est un substrat, c'est quelque chose que la tumeur utilise pour se nourrir. Donc dans votre cerveau, sur cette vue un peu imagée, vous avez plein de types de cellules différentes. Mais elles travaillent toutes en osmose pour survivre et bien sûr pour transmettre l'information. Ici, typiquement, vous avez un neurone, ici un astrocyte. Ces cellules, elles vont se nourrir en prenant dans le sang différents substrats, donc le lactate ici, du glucose, de l'oxygène, et échanger entre elles. Quand une tumeur apparaît, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va vouloir manger. Et si elle veut manger, ça veut dire qu'elle va voler, entre guillemets, une partie des ressources qui sont là pour nos cellules saines. Ici, vous la voyez, la petite tumeur. Elle arrive.
Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On connaît la situation initiale. On sait comment c'était fait au début. On sait à peu près comment la tumeur va se mettre et comment elle va se nourrir. Ça, c'est grâce aux biologistes et aux biochimistes. Donc, typiquement, on devrait savoir où on va arriver. Ce serait par là. C'est de la logique. Eh bien, c'est ça. On va prendre notre cellule. On va essayer vraiment de voir tous les mécanismes qu'elle a en interaction avec son environnement. On va mettre ça en équation, parce que, je suis mathématicienne, il fallait bien qu'il y ait des équations à un moment, il ne faut pas déconner non plus. Et on va pouvoir voir ce qui va se passer. Ça, c'est ce qu'on appelle un schéma. C'est quand je mets la situation dont je vous parlais sous forme imagée. On a notre cellule, elle peut créer, consommer et échanger du lactate, c'est la fonction que vous voyez là. Elle peut en échanger avec le sang, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien sûr, on a un flux sanguin tout le temps qui va des artères vers les veines. Vous êtes prêts ? C'est la prochaine diapo la plus difficile. Moi, je prends ça, j'en fais ça. C'est bon ? Vous en êtes remis ? Vous continuez ? Donc ça, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire que la manière dont le lactate à l'intérieur de la cellule varie, c'est ses échanges avec le voisinage, la flèche là, et les échanges avec le sang, la flèche là. Et là, c'est la même chose. La variation dans le sang, c'est le flux sanguin, la flèche ici, et les échanges que vous avez là. C'est pratique, non ? Ensuite, on met tout ça dans l'ordinateur, on fait tourner, et on a quoi ? Comment ça évolue vraiment dans votre cerveau ? Ici, en rouge, vous avez des valeurs de lactate dans des gliomes pour des personnes qui sont passées à l'IRM au CHU de Poitiers, et en noir, vous avez ce que le modèle dit. À quoi ça sert ? Ça sert à décrire ce qui se passe pour mieux comprendre comment le lactate évolue, et ça permet aussi de prédire ce qui devrait se passer, donc de voir si ce qui se passe vraiment était normal, attendu, ou si votre tumeur a augmenté en grade, et c'est pas bon. Et puis bon, comme le modèle est sur votre ordinateur, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, vous pouvez changer tous les paramètres que vous voulez, vous pouvez imaginer qu'elle prend le lactate dans le sang deux fois plus vite, ou deux fois plus lentement, et donc vous pouvez tester des hypothèses thérapeutiques pour voir quels paramètres il faudrait impacter avec vos médicaments. Ben c'est ce qu'on fait dans mon équipe. On fait plein de modèles bizarres avec plein d'équations et on en tire des évolutions. C'est aussi une manière de voir l'intelligence artificielle, augmenter la portée de la logique avec des modèles mathématiques. Et c'est quoi le plus dur là-dedans ? Je vais vous le dire, c'est ça le plus dur. C'est de communiquer. Parce que pour faire tout ça, il faut communiquer avec des biologistes, des chimistes et des mathématiciens. Ben nous, on veut des équations. On veut quelque chose de simplifié, quelque chose d'analysable, de facilement implémentable. Mais ce qui se passe vraiment dans la cellule, c'est un peu plus compliqué. Alors on s'intéresse juste au squelette. Et avec ça, on est en collaboration avec les départements de mathématiques de Pavie et de Milan, en Italie, et bien sûr avec le laboratoire de nos amis biochimistes. Merci. Christine Fernandez et donc Rémi Guivin, mais qui n'a pas pu être là, qui est retenu au, au CHU, absolument. Et moi, je devrais y être parce que j'ai un gros mal de dos. Mais bon, je vais essayer de donc, tenir. Ce qui va nous parler les gens qui me connaissent savent que j'ai échangé mes talons aiguilles habituels pour des baskets, ça veut dire que je vais vraiment mal. là, tu n'es pas en plein écran, là ? Si, a priori, oui. Alors, donc moi, je vais vous parler, en fait, de travaux qui sont menés, justement, en lien avec le CHU. Donc, accessoirement, je suis vice-présidente de l'Université de Poitiers en charge des relations internationales, mais là, je vais vous parler de ma vie de chercheur. Donc, je suis chercheur au sein du laboratoire XLIM, le même laboratoire que celui d'Yanis. Et au sein de ce laboratoire, on a créé ce qu'on appelle un laboratoire commun. Donc, c'est un laboratoire qui est validé, labellisé par le CNRS, mais laboratoire commun avec une entreprise. Donc, nous, l'entreprise partenaire, c'est l'entreprise Siemens, qui notamment fabrique les IRM dont on vous a parlé juste avant. Et donc c'est un laboratoire commun entre le CNRS, la société Siemens et puis donc l'université et le CHU de Poitiers. Et on travaille sur justement les problématiques de l'imagerie médicale et de l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu finalement les bases de nos préoccupations donc dans ce laboratoire qui s'appelle I3M pour imagerie métabolique multinoyau multi-organes. Alors, finalement, si on voulait résumer un peu l'aventure de la médecine sur, euh,
sur trois siècles, j'ai envie de dire, c'est que finalement, au XVIIIe siècle, il y a eu un médecin, le docteur Watson, qui a révolutionné la médecine parce qu'il a proposé ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif, c'est-à-dire que vous avez des symptômes, mal dans le dos, et vous en déduisez une pathologie, l'imbago. Et puis, aujourd'hui, tout récemment, il y a un autre docteur Watson, qui est un logiciel de la société IBM, qui s'est emparé, en fait, d'articles qu'on a appris à ce logiciel. Alors, je vous expliquerai un peu comment après. Et à partir de milliers d'articles scientifiques, ce logiciel, il a été capable, finalement, de prédire des pathologies rares, et notamment un cancer rare chez une femme au Japon, alors qu'il y avait plein de médecins qui s'y cassaient les dents. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment la problématique actuelle pour le médecin, la grosse angoisse. Alors, il est pas là, c'est pas parce qu'il angoissait, Rémi, mais bon, sinon, il aurait pu vous le dire. Aujourd'hui, le médecin, finalement, il se trouve confronté à ce qu'on lui demande de faire, la médecine 4P, c'est-à-dire une médecine prédictive, préventive, personnalisée, participative, mais face à ce qu'on pourrait appeler la malédiction des 4V, pour justement toutes ces données qu'un ordinateur, lui, va être capable d'analyser. Donc les 4V, c'est quoi? C'est la volumétrie, beaucoup de variables qui viennent de nombreux patients, la variété, de nombreux types de données, de l'imagerie, mais pas seulement, des données génétiques et autres, la vélocité, la rapidité avec laquelle ces données vont s'accumuler, et puis donc la véracité, ces données, quelle fiabilité on peut leur donner. Alors, l'idée, c'est bien que l'intelligence artificielle, comme on l'appelle, ne vienne pas remplacer le médecin, mais vienne l'aider pour arriver à cette médecine 4P face à cette malédiction des 4V. Alors, pour ça, il y a donc l'intelligence artificielle. Pourquoi on parle d'intelligence artificielle? Parce que c'est quelque chose qui est censé, finalement, s'inspirer de l'intelligence humaine. L'idée, c'est bien, face à cette masse de données qui a été soulignée déjà par Yanis, c'est d'arriver à trouver des méthodes informatiques qui vont aider finalement à dépouiller ces données et à donner un diagnostic le plus précis possible pour aider donc le médecin dans son analyse de toutes ces données qu'il n'aurait peut-être pas le temps d'analyser en une seule journée, en une seule semaine. Ça devient vraiment trop conséquent. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, ça repose notamment sur ce qu'on appelle le machine learning ou alors l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, c'est finalement des techniques pour apprendre aux machines à apprendre de la même façon que le fait notre cerveau. Alors, notre cerveau, par exemple, il est très doué pour reconnaître les visages. Ça, le bébé, au bout de quelques jours, il va reconnaître le visage de sa mère. Pourquoi? Parce que, en fait, il va reconnaître certaines caractéristiques et des caractéristiques qui vont lui être présentées très souvent. C'est pour ça qu'il reconnaît en premier le visage de sa mère, parce que c'est ce qu'il voit le plus souvent. Donc c'est comme ça qu'il va apprendre, et qu'ensuite, nous, on est capable de reconnaître automatiquement des visages, et que si demain, on se recroise, alors bon, vous êtes plus nombreux, mais bon, moi qui suis en plein milieu, peut-être que si vous me recroisez dans la rue, même si je ne suis pas habillée pareil, même si j'ai un chapeau sur la tête, vous allez me reconnaître. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux machines, et d'apprendre, alors non seulement pour le médical, on parle beaucoup des voitures qui se conduisent toutes seules, c'est pareil, on va mettre des caméras, puis le système, il va être capable de reconnaître là où il y a des voitures, des feux, des piétons, etc., pour permettre au système automatique que serait la voiture, eh bien, de pouvoir se guider toute seule et avoir le bon comportement par rapport à son environnement. Donc, en gros, ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est une façon de collecter les données, donc toutes ces big data, cette masse de données, de les analyser, de réussir à faire des liens entre elles pour arriver à faire des prédictions, justement, soit pour reconnaître un objet, soit pour reconnaître une maladie ou un grade dans une maladie. Alors, dans les premiers temps du machine learning, parce que le machine learning, c'est vieux, ça date en fait de 1940 à peu près. La première machine à apprendre, c'est la machine de Turing. Et depuis, ça n'a fait qu'évoluer, avec notamment ce qu'on appelle les réseaux de neurones qui sont apparus dans les années 80, dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Il faudra revenir pour une séance réseau de neurones pour les nuls. Mais donc, dans les premiers temps, en fait, l'idée, c'était d'extraire déjà des variables de l'ensemble des objets qu'on voulait caractériser. Et si ces objets, j'en avais une image, d'extraire des caractéristiques dans l'image. Je vous donne un exemple qu'on a traité. C'est celui, par exemple, du mélanome. En fait, tous les dermatos, qu'est-ce qu'ils font? Quand on va les voir, on dira, j'ai un bouton là qui est un peu bizarre. Ils vont, si ça leur paraît suspect, ils vont prendre en photo
le mélanome, et donc toujours il est au milieu. Ah zut, oui, il ne faut pas que j'appuie n'importe comment. Il va, donc le mélanome est toujours au milieu. Et puis en fait, ils vont s'appuyer sur ce qu'on appelle le mnémonique ABCD. Donc ils vont regarder l'asymétrie de la tumeur, enfin ou de la lésion, sa bordure, sa couleur par rapport à la couleur de la peau, son diamètre. Tout ça, c'est des choses en traitement automatique des images qui vont être très faciles à analyser. Vous voyez, on a un objet tout seul au milieu, très contrasté. Ça va être très facile d'extraire ses caractéristiques. Et puis, ben, donc, tout, dans tous les hôpitaux, chez tous les dermatos, il y a des banques d'images comme ça énormes avec des biopsies, ce qu'on pourrait appeler la vérité terrain, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on sait si, par la biopsie, si cette lésion elle était bénigne ou maligne. Donc l'idée, c'est simplement de faire calculer automatiquement ces caractéristiques par un ordinateur. Et ensuite, quand j'ai une image dite requête, ben finalement, on va aller regarder si la signature, si les caractéristiques de la lésion, ben elle ressemble plus à une lésion bénigne ou à une lésion maligne. Donc ça, c'est les débuts, on va dire, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va plus loin, on ne fait plus seulement du machine learning, on fait ce qu'on appelle du deep learning. Ça veut dire quoi du deep learning? C'est le même principe, sauf qu'on n'a même plus besoin d'extraire les caractéristiques. On va pouvoir mettre l'image directement en entrée de notre classifieur, en quelque sorte, et il va être capable de faire des abstractions, et donc de reconnaître finalement des catégories d'objets sans qu'on lui ait appris les caractéristiques de ces objets. Plus besoin de dire j'extrais des yeux, un nez. Non, on va rentrer directement l'image du visage. Et puis, le système va être capable, à partir de milliers et milliers d'exemples de visages, de reconnaître après n'importe quel visage dans n'importe quelle condition. Donc, c'est ça le deep learning. Et c'est permis par quoi? C'est permis par l'augmentation de la puissance de calcul de nos ordinateurs. Alors, si j'en reviens maintenant à l'imagerie médicale, il y a un type d'imagerie qui donne, comme vous l'a dit Angélique, beaucoup, beaucoup de données. C'est l'IRM. Alors, c'est quoi un IRM? Donc, c'est l'imagerie par résonance magnétique. En gros, ça s'appuie finalement sur l'eau qui est contenue dans notre corps. Donc, on va avoir un aimant très, très puissant qui va orienter les atomes d'une certaine façon. Et puis, on va mesurer finalement combien de temps ces atomes vont mettre pour revenir dans une situation d'origine. Et ce temps qu'on appelle le temps de relaxation, ça va nous donner un signal. Ce signal, on va le transformer en image. Et cette image, elle va être caractéristique finalement de l'organe ou de son dysfonctionnement. Parce que si le temps de relaxation n'est pas conforme à l'habitude, ça va signifier qu'il y a une anomalie dans l'anatomie ou même dans le fonctionnement de l'organe. Alors, l'IRM, ça nous permet d'avoir une grande précision sur de nombreux organes mous, j'ai envie de dire, hein, comme le cerveau, les articulations. Mais donc, ici, on va plutôt vous parler du cerveau. Alors, à Poitiers, on a déjà, depuis 3 ans maintenant, une IRM 3T, une IRM 3T qui est d'ailleurs installée en ce qu'on appelle en paire opératoire, c'est-à-dire qu'elle est juste à côté de la salle d'opération pour que le neurochirurgien puisse venir vérifier éventuellement s'il a enlevé suffisamment de tumeurs ou pas. Et puis, depuis peu, vous en avez beaucoup entendu parler dans la presse, on a un super IRM 7 Tesla. La puissance de l'aimant, c'est ce qui va faire la qualité du contraste des images. Et puis, c'est ce qui va nous donner aussi la fameuse multimodalité dont a parlé Angélique. Alors, ce que permet un IRM au-dessus de 3 Tesla, c'est d'avoir donc cette multimodalité avec non seulement l'imagerie anatomique, que vous connaissez bien, mais aussi ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion, qui permet de voir les connexions niveau du cerveau, donc comment en gros fonctionnent vos neurones, ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle aussi, donc l'activité cérébrale, quand je marche, quelles sont les zones de mon cerveau qui s'allument, quand vous m'écoutez, quelles sont les zones de vos cerveaux qui vont se connecter. Et puis on a aussi ce qu'on appelle la spectroscopie qui là va carrément travailler sur le métabolisme des organes. Donc on va la regarder au niveau des groupes de cellules, de la cellule de manière individuelle, comment elle fonctionne, comment elle consomme par exemple du lactate. Et donc ça nous donne des indicateurs sur le bon fonctionnement d'un organe et en particulier du cerveau. Alors voilà, toute une série d'images que l'on va obtenir lorsque vous allez faire un bilan d'IRM cérébral. Et on est en train de calibrer notre IRM 7T. Donc si vous avez envie de venir servir de cobaye, vous avez le droit, ça vous prend une petite heure. Vous pouvez dormir si vous n'êtes pas claustro, c'est finalement, et vous donner votre corps à la science de votre vivant, c'est bien mieux. Alors, justement, le gliome dont vous a parlé Angélique juste avant. Alors, ce gliome, voilà comment il se caractérise finalement sur une IRM cérébrale. Donc, c'est une tumeur cérébrale qui atteint l'enfant, le jeune adulte. C'est la première cause de décès chez l'enfant et le jeune adulte. Et en fait, il
Bon, c'est une tumeur qui n'est pas facile à segmenter parce que vous voyez, il y a une partie en fait de ce qu'on appelle le cœur nécrotique, il y a une partie d'œdème tout autour. Bon, c'est très important de pouvoir le diagnostiquer de manière précoce, le segmenter précisément pour aider le neurochirurgien à faire sa planification de chirurgie, parce que plus on en enlève, moins il y a de chances de récidive. Et ce sont finalement des pathologies avec lesquelles on peut vivre 20, 30, 40 ans. Et donc c'est très important de pouvoir le diagnostiquer tôt et de manière précise. Alors, comme c'est compliqué hein, d'extraire, finalement, y compris pour le médecin, d'extraire automatiquement, mais c'est aussi compliqué pour nos algorithmes traditionnels, on a donc mis de l'intelligence artificielle là-dedans. Donc l'idée, c'est de rentrer des images, plein d'images, et vous voyez, à chaque fois, il y en a tout un bilan, donc plein de modalités pour un patient, mais plein d'images de gliomes, et puis de demander au système d'apprendre automatiquement à extraire les contours. Et on y arrive très bien, je vous donne un exemple ici. Sur un glioblastome, c'est une personne plus âgée. Et là, voilà différentes modalités et on arrive parfaitement à extraire donc le cœur nécrotique, la partie donc de la tumeur et puis l'œdème tout autour. Donc ça, c'est notre logiciel qui arrive à le faire de manière automatique. Autre chose qu'on peut faire, c'est non plus de segmenter les bords de la tumeur, mais c'est de regarder comment évolue cette tumeur. L'intérêt, c'est aussi de voir si un patient va changer de grade. Donc, il y a le bas grade, où là, on a une espérance de vie assez longue. Le haut grade, là, ça devient plus compliqué. Donc, c'est important aussi, chez des patients qui vont venir régulièrement faire des examens, d'avoir des logiciels qui vont aider les médecins à analyser toutes les séquences là, que l'on a et pour aller regarder, finalement, si il y a une évolution vers du haut grade. Alors là, je vous montre une image où c'est assez simple parce qu'on voit bien l'évolution de gauche à droite, du bas grade vers le haut grade. Mais parfois, c'est un petit peu plus subtil que ça. D'où l'intérêt d'avoir des systèmes donc d'intelligence artificielle qui vont automatiquement analyser ces images et nous dire, indiquer au médecin dans quel grade on est plutôt. Ça va permettre aussi pour tous les bas grades qui seront étiquetés automatiquement au médecin de se focaliser sur les grades plus élevés et d'aller regarder vraiment en détail comment cette tumeur est en train d'évoluer. Donc ça fait gagner du temps au médecin. Alors, je vous montre quelques résultats. Donc, on voit ici alors, différents systèmes avec justement de la multimodalité. Et on voit qu'on a des taux de détection du bon grade à 95%. Donc, ça, c'est la littérature. Nous, avec les derniers algorithmes qu'on a développés, on arrive à avoir 100% de détection de bon grade du gliome et de différencier aussi les tumeurs qui viennent du gliome des tumeurs qui viennent d'un lymphome, par exemple. Donc, c'est une vraie aide pour le médecin. Donc, c'est vraiment des résultats très, très intéressants. Des résultats qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres pathologies que le cancer, pour l'imagerie cérébrale. On arrive maintenant à diagnostiquer sur des gens qui ont ce qu'on appelle une plainte cognitive, qui vient, alors c'est pas bon, comme moi, on oublie nos clés, on ne sait plus, on a mis nos affaires. Bon. Quelqu'un qui donc a une plainte cognitive assez grave, le risque c'est que ça évolue vers un Alzheimer en fait. Et bien là on arrive à 100% chez des gens qui viennent pour une plainte cognitive et qui font un bilan IRM à diagnostiquer que ça risque d'évoluer vers Alzheimer. Voilà pour d'autres types de pathologies. Alors, bien entendu, à chaque fois qu'on a finalement des modèles, et notamment des modèles mathématiques plus précis de la pathologie, donc Alzheimer, c'est quelque chose qui est bien étudié, on arrive à identifier à peu près un certain nombre de facteurs. Donc là, on arrive à avoir des reconnaissances, on va dire, de bonne qualité. Pour d'autres troubles, comme la bipolarité, par exemple, où là, finalement, il y a tellement de facteurs qui interviennent, c'est un petit peu plus complexe, mais... Voilà, ça veut dire qu'il reste du travail pour les scientifiques, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est bien l'humain qui les alimente, et c'est donc bien l'expert, le médecin, qui doit valider les exemples qui servent ensuite à faire fonctionner ces intelligences artificielles. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Quand même, ça doit servir pour le patient, hein, donc ça doit l'aider vraiment vers cette médecine personnalisée, prédictive, donc, fameuse médecine 4T dont je parlais au début. Ça va pouvoir donc aider d'une façon générale à pouvoir mieux cerner des maladies donc comme le cancer, les maladies neurodégénératives, donc pour arriver à faire des prédictions individuelles. L'idée, c'est pas seulement d'utiliser d'ailleurs les images, mais c'est aussi d'utiliser des facteurs liés à la génétique, des facteurs liés au cadre de vie, et donc de pouvoir finalement mieux prédire comment pourrait évoluer une pathologie, et donc pour personnaliser les traitements.
L'idée, c'est aussi, quand je vous parlais de l'environnement, c'est aussi de pouvoir analyser des grandes cohortes de données. Et donc, par exemple, mettre en lien la survenue de cancer sur un territoire avec des événements, par exemple, de pollution. Donc ça, c'est quelque chose aussi que l'intelligence artificielle va pouvoir faire, puisqu'elle va pouvoir rapidement, avec la puissance des calculateurs, manipuler un grand nombre de données qu'il est difficile de manipuler pour un humain tout seul. Et puis, pareil, par exemple, pour les épidémies, on peut se dire que, pareil, comme on réussit à manipuler beaucoup de données en même temps, ça va permettre de mieux cerner des phénomènes d'épidémie, par exemple. Et puis, pour le médecin, je terminerai là-dessus, donc il n'est pas là pour le dire, mais l'idée, c'est bien de l'aider dans son diagnostic, dans les phases de suivi de ses patients. Bien entendu, ce n'est pas fait pour le remplacer, puisque c'est lui qui est quand même au cœur du système, c'est lui qui doit nourrir l'intelligence artificielle, qui doit, même si on a un système qui fonctionne, qui doit ensuite vérifier que sur des pathologies rares, par exemple, le système automatique, il est toujours pertinent. Et puis l'idée, c'est bien de dire, et il y a certaines études qui le montrent, que le temps que le médecin ne passera pas à dépouiller toutes ces données, il va pouvoir le consacrer à être plus attentif à ses patients. Et donc, finalement, d'économiser de son temps auprès de ses patients et aussi d'être libéré d'un certain stress qui est celui de dire, dans ces masses d'images, par exemple, est-ce que j'ai réellement vu la tumeur que j'aurais dû voir ou pas ? Voilà. Merci beaucoup, Christine. Une ou deux une question, éventuellement ? Il m'a semblé comprendre quand vous avez présenté machine learning et deep learning. J'ai fait un lien, mais je ne sais pas s'il est correct. Est-ce que deep learning, c'est toujours non supervisé, du coup ? Non. Alors, non. En fait, vous rentrez dans des choses un peu techniques, mais c'est vrai que quand on fait de l'apprentissage, ça peut être ce qu'on appelle supervisé. Ça veut dire que vous donnez des exemples avec des catégories. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une photo d'un verre, j'ai une photo d'une bouteille, et je dis à mon système, ça, c'est un verre, ça, c'est une bouteille. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, ce que vous faites avec vos enfants, peut-être. Après, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est dire j'ai des photos de verre, j'ai des photos de bouteille, mais je ne donne pas l'étiquette. Je laisse le système les différencier tout seul. Et donc, reconnaître que toutes les images de verre, il va pouvoir dire ça, c'est la catégorie 1, et toutes les images de bouteille, il va dire ça, c'est la catégorie 2. Mais je ne lui ai pas appris à l'avance que c'était deux catégories différentes. Alors ça, pour, on va dire, des applications multimédia, alors il y en a beaucoup, par exemple, pour reconnaître des chats, vous allez sur Internet, normalement, une bonne présentation sur le deep learning, il y a forcément une image de cerveau et une image de chat. Donc là, elle n'est pas bonne, ma présentation, parce qu'il n'y avait pas de petit chat. Donc là, sur toutes ces applications-là, on va dire que si votre système se trompe et qu'il confond un chihuahua avec un chat, c'est pas très grave. En médecine, le médecin n'aime pas l'apprentissage non supervisé parce que, justement, si on se trompe entre une pathologie ou une autre, là, ça, voilà, si je me trompe, si je dis, vous voyez, là, ma tumeur, elle était bénigne et puis qu'en fait, elle est maligne. Donc, on s'appuie sur des algorithmes supervisés. Il y a après des méthodologies pour essayer d'alléger la notation que peut faire le médecin. Donc, ça, c'est, il y a des méthodes particulières. Mais le deep learning peut s'appuyer sur du supervisé ou sur du non supervisé. Bonsoir, oui, effectivement. Donc, en effet, je devais faire cette présentation en duo avec Philippe Rigoire, qui est professeur en neurochirurgie au CHU, donc, qui est retenu donc, à l'hôpital. Donc, je vais essayer de pallier son absence au mieux sur les aspects cliniques. Et donc, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Institut P' en sciences pour l'ingénieur. Et donc, je vais vous parler de biomécanique et chirurgie, et plus particulièrement de développement de techniques innovantes pour la réparation structure osseuse. On va parler un peu de mal au dos. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de fractures ostéo-articulaires. Donc, les fractures ostéo-articulaires, elles sont provoquées sur les différentes articulations du squelette. Et donc, généralement, ce sont des fractures qui se produisent en compression. Donc, on va avoir un tassement des structures osseuses. Et le chirurgien va être amené à redonner de la hauteur aux structures osseuses pour qu'elles puissent assurer à nouveau leur fonction et que le patient puisse à nouveau bouger, courir et surtout reprendre sa vie quotidienne sans douleur et sans problème. Alors, pour la présentation, on va s'intéresser à deux sites de fractures. Donc, le premier, justement, c'est au niveau de la charnière thoracolombaire. Et donc, il y a une dizaine d'années maintenant que je travaille avec Philippe Rigoire et l'équipe de l'unité Rachis.
Et donc, un des premiers enjeux auxquels on a fait face, c'était d'étudier les effets mécaniques liés aux fractures de type burst. Alors, les fractures de type burst, elles sont assez caractéristiques. C'est un éclatement, littéralement, du corps vertébral provoqué par un traumatisme en compression dynamique. Et donc, elles sont produites, souvent, ce sont des jeunes adultes qui sont touchés, puisque elles sont provoquées lors de chutes ou d'accidents de sport. Et donc, il est nécessaire de pouvoir proposer une solution chirurgicale en urgence et surtout durable pour ces jeunes patients. Donc, les caractéristiques sont les suivantes. On a un éclatement du corps vertébral. Ici, on a une image de scanner de la colonne vertébrale qui est fracturée. Donc, ça se situe au niveau de la charnière thoracolombaire, donc là où il y a le plus de mobilité sur la colonne vertébrale. Donc, c'est la zone aussi la plus sollicitée d'un point de vue mécanique. Et donc, généralement, on a un éclatement d'un corps vertébral et les vertèbres adjacentes, les vertèbres voisines, ne sont pas touchées, généralement. Et il n'y a pas forcément d'atteinte non plus des disques intervertébraux. Les disques, c'est ce qui nous permet d'avoir une mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Et alors, ce qui est caractéristique aussi, c'est que souvent, on a un recul d'un des fragments de la fracture dans le canal rachidien. Et ça, ça peut être très méfaste, ça peut provoquer des lésions neurologiques et surtout beaucoup de douleurs. Donc face à ce genre de fracture, le chirurgien doit choisir une technique de stabilisation puisqu'il doit faire une stabilisation en urgence. Et c'est là qu'il est venu nous voir parce que lui, dans son portfolio de choix de stabilisation, il en a beaucoup. Et donc on va les classer en deux familles. Donc il y a d'abord les chirurgies classiques dites à ciel ouvert, c'est-à-dire que là le chirurgien va faire une chirurgie avec une cicatrice relativement importante dans le dos du patient. Il va venir mettre... Donc ici, ce sont encore des images de radio. Il va venir mettre des vis dans les vertèbres adjacentes à la vertèbre fracturée. Donc la vertèbre fracturée, elle est ici normalement. Donc on redonne de la hauteur à la vertèbre fracturée en faisant une distraction grâce à des systèmes d'ancrage avec des vis et des tiges qui sont mises en voie postérieure. Donc on a un premier temps chirurgical, généralement, avec une chirurgie de quelques heures sur le dos. Et si le chirurgien estime que ce n'est pas assez stable, il peut y avoir un deuxième temps chirurgical en voie antérieure. Donc là, il vient ouvrir par l'avant, donc une deuxième grosse chirurgie, où il vient remplacer la vertèbre fracturée par ce qu'on appelle une cage. Et en fait, ils vont réaliser une arthrodèse, c'est-à-dire une fusion complète de trois étages, enfin de deux niveaux discales, et donc trois vertèbres. Donc, il y a quelques années maintenant, sont apparues de nouvelles chirurgies dites mini-invasives, où là, on va redonner de la hauteur au corps vertébral en venant gonfler un ballonnet dans le corps vertébral, et on va venir remplir la cavité créée par le ballonnet avec du ciment de type PMMA. Alors, le PMMA, c'est du plexiglas. Et alors ça, c'est très intéressant, c'est une chirurgie mini-invasive, puisque en fait, le chirurgien va venir faire uniquement des petites incisions dans le dos de 1 ou 2 cm, donc il n'y aura pas de grosses cicatrices, donc en termes de récupération pour le patient, c'est quand même plus intéressant. Et si le chirurgien estime qu'il n'y a pas suffisamment de stabilité uniquement avec le ciment, on peut venir mettre en même temps des vis et une tige pré-cintrée, et tout ça également en percutané, c'est-à-dire uniquement avec des petites incisions. Donc là, la grande innovation, c'était ce ballonnet, finalement. Et ce ballonnet, c'est très intéressant, puisqu'il est utilisé aussi dans d'autres applications. Alors moi, je suis mécanicien, donc je vous ai mis quand même des camions et des voitures. Et donc, c'est très intéressant, puisqu'un ballon, ça permet de soulever des masses assez importantes, de façon progressive, puissante, et de façon douce aussi. Donc pour la réduction de structures osseuses, c'est très intéressant. Et donc la question que nous ont posé les chirurgiens, c'est d'un point de vue biomécanique, est-ce que ces nouvelles techniques qui étaient très peu utilisées il y a une dizaine d'années en France, sont intéressantes, et est-ce qu'on a des stabilités mécaniques aussi intéressantes que ce qui est utilisé en conventionnel? Donc nous, il a fallu, comme l'a dit Angélie tout à l'heure, déjà à s'asseoir à la même table que les cliniciens et les chirurgiens pour parler de biomécanique. Alors, je ne vais pas refaire la définition de la biomécanique. Si vous voulez une vraie définition, je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur Arte TV la définition du professeur Moussage, qui est formidable. Donc, en gros, nous, on est des mécaniciens et on va venir essayer d'apporter des notions quantitatives sur ce que les chirurgiens font. Alors, nous, en mécanique, on a plutôt l'habitude de traiter des cas de structure où on va étudier des phénomènes mécaniques liés à des structures mécaniques qui vont se déformer soumises à différentes conditions mécaniques. Mais ces structures, ça peut ressembler aussi à une colonne vertébrale, constituée, puisque la colonne vertébrale, c'est constituée de structures rigides que sont les vertèbres et de structures souples que sont les disques. Et donc, une fois qu'on a posé le problème mécanique, finalement, on va se poser les questions de comportement de ces structures osseuses, de mécanismes de fracture et donc les comportements des systèmes de stabilisation.
et tout ça, avec deux approches, donc des approches qui ont été évoquées aussi précédemment dans les présentations, une approche in vitro, c'est-à-dire des expérimentations sur segments anatomiques, et une approche in silico, c'est-à-dire la simulation numérique sur ces structures osseuses. Donc je vais essayer de vous citer deux exemples associés à ces deux approches. Donc le premier, on va reprendre les vertèbres, et on va aller, on a fait des travaux au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine, et on est venu avec nos machines de chargement mécanique. Alors on les a un peu transformées, nos machines, hein, puisqu'il fallait cette fois-ci pouvoir appliquer des efforts mécaniques sur des structures osseuses, donc là typiquement des colonnes vertébrales. Et donc on a finalement utilisé nos connaissances en mécanique pour essayer de reproduire ce que le chirurgien observe lorsqu'il est au bloc opératoire et qu'il reçoit un patient qui est tombé d'un étage. Et donc notamment, c'est de reproduire une fracture de type burst, c'est-à-dire un éclatement du corps vertébral. Alors là, vous avez un petit film qui montre finalement l'impact, puisqu'il fallait reproduire un impact dynamique sur, une compression dynamique, donc un impact sur la structure vertébrale. Et c'est ce que nous avons fait. Et là, on a pu reproduire différents schémas de fracture. Donc déjà, le chirurgien était ravi, parce qu'il pouvait comprendre les mécanismes qui étaient associés aux fractures, et il pouvait reproduire une certaine classification de ces fractures. Et le deuxième enjeu était de pouvoir, toujours sur nos colonnes vertébrales, le deuxième enjeu était de pouvoir reproduire des chargements physiologiques, c'est-à-dire le mouvement humain, de se baisser pour aller lacer sa chaussure, de se pencher pour ramasser un objet aussi par terre, ou pouvoir simplement tourner pour regarder derrière soi. Et donc c'est ce qu'on a fait avec cette machine. En fait, cette machine, ça nous permet d'appliquer des couples purs, c'est-à-dire de reproduire des mouvements purs en rotation, et surtout de pouvoir analyser une certaine quantité de segments anatomiques et de manière à comparer finalement les différents effets mécaniques liés au système de stabilisation. Tout ça finalement, ça permet d'avoir une quantité d'informations aussi sur plusieurs échantillons pour avoir des comparaisons, des confrontations après pour pouvoir établir des modèles. Finalement, on va rejoindre aussi l'analyse de données, même si elles sont moins nombreuses pour l'instant que ce qui a été vu précédemment. Et donc, alors finalement, nous, nos échantillons, là, vous avez des petits modèles de vertèbres. Eh bien, on a analysé les déformations et puis des mobilités angulaires. Donc ça, ce sont des paramètres qu'on connaît bien en mécanique, ce qui nous a permis aussi d'avoir ces paramètres ont été également des paramètres de comparaison pour montrer finalement les effets mécaniques liés au système de stabilisation. Alors, je reviendrai sur les courbes si vous avez des questions, mais finalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que la chirurgie mini-invasive, avec ces deux techniques qui étaient proposées il y a une dizaine d'années par les neurochirurgiens, eh bien on a montré nous, que d'un point de vue biomécanique, c'était des bonnes solutions et qu'elles offraient, en termes de stabilité primaire, des caractéristiques semblables à ce qu'il pouvait y avoir en chirurgie classique. Donc ça, c'était un premier point très intéressant. On va aller maintenant sur le deuxième aspect et on va s'intéresser à une autre fracture aussi importante, c'est la fracture du plateau tibial. Ça représente à peu près 4500 fractures en France chaque année. Donc la fracture du plateau tibial, elle est également provoquée chez des patients jeunes, puisque ce sont des accidents dus au sport, enfin, aux pratiques sportives, où actuellement on entend parler beaucoup de trottinettes électriques, notamment en région parisienne. Il y a une recrudescence de ces fractures en fait, due à l'usage des nouveaux moyens de transport tels que les trottinettes. Et donc, finalement, ces fractures du plateau tibial, eh bien, pareil, d'un point de vue chirurgie conventionnelle, les chirurgiens, généralement, viennent faire une cicatrice relativement importante au niveau du genou et ils viennent redonner de la hauteur, encore une fois, du tassement osseux ici, en venant faire perforer l'os par-dessous et avec ce qu'ils appellent un chasse-greffon. C'est, en fait, ils viennent pousser vraiment cette masse osseuse de manière à récupérer un plateau tibial correct pour que le patient puisse à nouveau courir quelques semaines après. Et donc nous, à Poitiers, il y a un jeune chirurgien, il y a 5 ou 6 ans maintenant, pardon, qui s'appelle Tanguy Vandeuf, qui est chirurgien orthopédiste. Il s'est dit, moi je mets des ballonnets et du ciment dans les vertèbres, pourquoi on n'essaierait pas de faire la même chose pour le plateau tibial et inventer une nouvelle technique de chirurgie mini-invasive pour le plateau tibial. Donc c'est ce qu'il a fait en collaboration toujours avec le laboratoire d'anatomie. Et il a mené des études donc biomécaniques sur des segments anatomiques de tibia. Il a montré que d'un point de vue mécanique, ça marchait bien. Ensuite, il a réussi à décrocher des projets de recherche clinique, puis un projet de recherche national hospitalo-universitaire. Et finalement, eh bien, il arrive à des très bons résultats, puisque sur des plateaux tibiaux, il arrive à développer, enfin, à appliquer cette technique de chirurgie mini-invasive où il va positionner, au lieu de mettre plusieurs vis et des plaques relativement importantes sur le tibia, eh bien, il a mis là, par exemple, pour ce cas clinique, seulement une vis et un volume de ciment.
Et donc ça, c'est très intéressant, parce qu'au final, le patient se retrouve uniquement avec des petites incisions au niveau du genou. Ça veut dire que le lendemain, il peut se remettre debout, quasiment. S'il n'a pas de douleur, le chirurgien lui demande de se remettre debout le lendemain. Mais la question, c'est, si on remet debout le lendemain, ou quelques heures après l'opération, est-ce qu'il y a une bonne tenue mécanique de ce genre de solution, finalement, de stabilisation ? Alors là, évidemment, on avait également sécurisé l'affaire en faisant des études sur segments anatomiques, mais on a voulu aller plus loin et proposer une nouvelle approche. Donc c'est l'approche in silico, où on fait des modélisations numériques à partir des images du patient. Donc ça, ça fait l'objet d'une thèse, la thèse de Kevin Aubert au sein du laboratoire. Et donc l'idée, c'est de partir d'un scanner du patient et de reproduire une modélisation numérique. Donc là, c'est par des opérations de traitement d'image, de segmentation, et bien on reproduit la géométrie du plateau tibial. Alors le plateau ici qui est intact, on le retrouve en bleu ici, et les fragments qui sont par ici, là, qu'on devine, et bien ils sont en vert et en rouge par ici. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstruit la géométrie du plateau tibial telle que le chirurgien l'avait reconstruite, et on a fait un modèle, ce qu'on appelle en mécanique un modèle élément fini, en fait un modèle géométrique qui nous permet de faire des calculs et des simulations pour prédire un peu le comportement mécanique du plateau tibial juste après une chirurgie. Et donc on a simulé un cas de chargement, donc on retrouve notre plateau tibial là, avec la vis qui a été positionnée par le chirurgien, et en jaune ici on a la bille de ciment qui a été injectée, et puis ici ce sont les fragments dus à la fracture du plateau tibial. Et on a fait des calculs. Alors on a fait des calculs sur la vis pour voir s'il y avait quand même une bonne tenue mécanique. Alors vous avez des couleurs. En gros, si c'est rouge, on va regarder si les valeurs qui sont en rouge sont inférieures à une limite admissible par le matériau. Alors évidemment, avant de faire cette comparaison, on a fait des études de matériaux sur les matériaux vis, sur les matériaux osseux, enfin tous les matériaux qui sont employés ici sur cette modélisation. Donc il y a quand même un gros travail expérimental qui a été fait en amont. On a fait ces comparaisons-là également sur le volume de ciment injecté et sur l'os. Tout ça pour dire que finalement, eh bien, notre approche numérique, eh bien, patient spécifique, on est bien parti de l'imagerie du patient, et ça nous a permis de montrer qu'on pouvait avoir une approche optimisée pour aller vers une chirurgie la moins invasive possible, de manière à ce que le patient puisse récupérer le plus rapidement possible et puisse remarcher et recourir quelques jours après l'opération. Alors, recourir peut-être pas, mais au moins remarcher. Donc voilà pour cette seconde approche. Donc en termes de conclusion, cette collaboration entre les équipes des chirurgiens et puis nous à l'Institut P' permet de proposer des nouveaux développements de modélisation, alors expérimentale et numérique. Hein. L'un va pas sans l'autre, puisqu'on a besoin absolument d'avoir des données expérimentales pour valider des approches numériques. Et les approches numériques nous permettent d'aller vers des modélisations patients spécifiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prédire un peu ce qui peut se passer en fonction de la géométrie du patient, de sa morphologie, de son mode de vie et de ses activités. Alors évidemment, ce que je vous ai présenté ce soir, là, ça concerne uniquement la stabilité primaire, c'est-à-dire immédiatement après la chirurgie. Maintenant, on va chercher à aller plus loin et à prédire ce qui se passe après plusieurs semaines, après un remodelage osseux. Et puis, on va chercher aussi à étendre ces techniques-là sur d'autres sites de fracture, notamment sur l'épaule ou sur la cheville, sur le calcanéum, puisque ces techniques de chirurgie mini-invasive, de prise en charge percutanée, peuvent être déployées sur d'autres sites de fracture ostéo-articulaire. Voilà, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe de l'Institut P' qui travaille sur cette thématique, les collègues du laboratoire d'anatomie avec qui aussi on collabore pour tous les essais mécaniques sur segments cadavériques, les chirurgiens avec qui on travaille au CHU, et si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à la soutenance de Tanguy Vandeuve, donc, qui est chirurgien orthopédiste, qui soutient sa thèse de science vendredi après-midi au SP2MI sur le site du Futuroscope. Je vous remercie pour votre attention. Merci Arnaud pour cette présentation. Est-ce qu'il y a deux questions ? Pour le moment ? Apparemment non, donc on va passer à la dernière présentation, celle de Cyril Perret, qui va nous parler de modélisation mathématique et statistique des processus d'écriture. Bien, il me revient à la position de terminer, avec plaisir, pour deux raisons. D'abord parce que ça clôture quand même une série d'événements importants,
Et puis pour la deuxième, c'est que je vais pouvoir en partie, en grande partie, pouvoir m'appuyer un petit peu sur tout ce que mes collègues vont présenter. Je vais vous présenter un travail qui va quelque part être assez éloigné de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, mais qui s'appuie sur la même philosophie d'utilisation de l'intelligence artificielle dans des pathologies un petit peu différentes. Moi, je vais vous parler de tous ces troubles du langage, troubles de l'apprentissage. Vous savez, c'est tous ces mots, sans mauvais jeu de mots, qui commencent par 10. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysgraphie, il y en a des quantités. Voyez-toi de quoi je veux parler. Eh bien, à l'heure actuelle, on essaie de comprendre un petit peu comment ces systèmes fonctionnent et on essaie surtout d'améliorer le diagnostic. Je vais vous proposer une petite expérience. L'expérience que nous, on a expérimentée, une expérience qu'on expérimente, c'est toujours très beau, sur le projet d'INAPEN. Alors imaginez, vous êtes un matin, vous êtes orthophoniste, vous êtes dans votre cabinet, un enfant, une petite dizaine d'années, vous est adressé, l'équipe enseignante qui le prend en charge au quotidien, sa famille, pourquoi pas le psychologue scolaire, vous adresse cet enfant en disant « on a quand même une suspicion de difficulté avec l'écrit ». Il a des difficultés de lecture, on sent bien qu'il peine, la lecture à voix haute ne va pas très bien, je ne vous raconte même pas la tête de ses dictées, hein, avec un nombre d'erreurs orthographiques qui ferait exploser tous les compteurs. Et donc, en tant qu'orthophoniste, vous allez avoir la grande tâche d'essayer de spécifier quel est le trouble. Parce que la première chose qui vous est venue à l'esprit, tous autant les uns que les autres, quand je vous ai décrit ce patient, c'est de dire « bon, bah, y a une dyslexie ». C'est plus compliqué que ça, vous l'imaginez bien. Il peut y avoir tout un tas d'autres pathologies en troubles d'apprentissage qui pourraient amener quelque chose d'assez similaire. Donc le travail de l'orthophoniste, ça va être à partir d'une série de tests, et c'est là où ça va se complexifier, d'essayer de trouver des arguments pour dire c'est telle pathologie. Le fait de poser un diagnostic qu'on retrouve dans toutes les pathologies. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'à l'heure actuelle, pour arriver à faire ça, ça va prendre des années. Prenez les parents d'un enfant qui présente ce type de trouble 10, ils vont vous dire que ça a été un véritable chemin de croix pour arriver à savoir exactement ce que l'enfant avait, quand on le sait. Donc nous, ce qu'on a essayé de penser avec un certain nombre de collègues, hein, vous avez les noms ici, je vous mettrai leurs photos à la fin, des collègues de Toulouse, des collègues de la MSHS de Poitiers, on a essayé de réfléchir à une solution qui optimiserait un petit peu ces questions. En fait, on est parti d'une chose, on s'est spécifié bien sûr sur la dyslexie, dysorthographie, on est parti d'une chose, c'est que ces deux pathologies sont très très souvent associées. C'est tellement vrai que lorsque une prise en charge orthophonique a été mise en place et qu'on a réussi à améliorer les troubles liés à la dyslexie, il restera toujours une dysorthographie. On est parti sur cet élément-là et on s'est dit, mais est-ce qu'au final, on ne pourrait pas se servir des caractéristiques de la dysorthographie pour donner de l'indication, aider au diagnostic. Mes collègues l'ont répété, hein, on n'est pas là pour remplacer une profession, on est là pour fournir de l'information. Et donc essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait, à partir d'un outil, collectant des données, et je vais revenir sur ces données puisque c'est le plus important, donner des évaluations de la dysorthographie, de la dysorthographie et de la dyslexie. Qu'est-ce qu'ont les orthophonistes à l'heure actuelle ? Des tests à partir d'analyses d'erreurs. C'est la première chose qu'ils vont faire. Il va y avoir des écritures, hein, de mots, de pseudo-mots, des séries de lettres que vous pourriez lire comme un mot, mais qui n'est pas un mot de la langue française. Des phrases, on va classifier tout ça, on va compter tout ça. Il va y avoir des erreurs orthographiques, c'est la mauvaise orthographe du mot. Imaginez que j'écrive orthographe, je commence par AU. Ça peut être des erreurs grammaticales. Vous voyez, on a toute cette source d'informations. Nous, on a voulu aller un peu plus loin parce qu'on a la chance à la MSHS de Poitiers, d'avoir développé des outils de mesure de l'écriture. En soi, on va mesurer des aspects dynamiques. Je vais revenir sur cette question. Et en mélangeant ces données, on essaie justement d'avoir un système de classification qui s'appuie sur des outils d'IA. Alors le gros truc, c'est ça. En fait, ce que va faire l'orthophoniste, c'est qu'il va mettre l'enfant devant un ordinateur, et cet ordinateur va lui proposer une tâche que tous les enfants connaissent, une dictée. Comme je vous ai dit, de mots, de pseudo-mots, de phrases. Alors on va, bien sûr, hein, ça c'est le côté linguistique, on va, je ne vais pas mettre des mots au hasard, on va les choisir.
on va leur faire écrire des mots sans difficulté, puis des mots un peu compliqués, comme femme, qui me servira d'exemple plus tard. On va leur faire faire des phrases où on va aussi complexifier un petit peu le boulot. On va leur donner une phrase du style « Le jardinier a planté des légumes, point, il les asperge ». Vous voyez un petit peu d'écrire « il les asperge ». Il y a « il », « les » qui sont, il y en a un qui est au singulier et l'autre au pluriel. Pour l'accord avec le verbe, ce n'est pas simple, on n'a aucune information phonologique. Est-ce que c'est « e », est-ce que c'est « es », est-ce que c'est « ent » ? Il les asperge, il y a une liaison, il y a un « the » qui a une réalité, qui a une réalité de son, mais pas d'écrit. Et on multiplie bien. J'aime bien cet exemple parce qu'en plus, il y a un jeu de mots sur asperge, le mot, l'asperge et asperger. Là, l'enfant, il pose le stylo et il vous dit « non, j'en peux plus ». Grâce à un logiciel qui s'appelle IonPen, on est capable d'enregistrer ça. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, vous prenez une tablette graphique. Tablette graphique, c'est un système en deux dimensions avec un stylo que vous posez dessus. Et vous pouvez échantillonner la position de ce stylo. C'est-à-dire que vous pouvez suivre, on va dire par exemple, un point toutes les centièmes de seconde, un point toutes les millièmes de seconde, le tracé de l'enfant. Ces trois informations, hein, les deux points sur une représentation en deux dimensions et le temps, vont nous permettre de sortir beaucoup d'informations sur les caractéristiques de l'écriture. Regardez par exemple pour faire le L ici. C'est un véritable enfant, c'est l'enfant d'une collègue avec lequel je bosse beaucoup, qui a servi de cobaye pour cet expé. Vous voyez, ici, le L. Nous, on va décrire ça en deux morceaux, on va appeler ça des strokes, vous voyez, c'est deux mouvements. On part d'un point là qui remonte ici, puis après un point qui va d'ici et qui descend ici. Voilà la dynamique de vitesse. Vous voyez, on a une accélération, décélération, accélération, décélération. En fait, on accélère, on diminue, on accélère, on diminue. Ça, ça nous renseigne sur la réalisation en termes de durée, par exemple de ce stroke, en termes de pic de vélocité. Vous voyez, on a l'impression que quand on écrit, c'est assez fluide, mais en fait, pas du tout. Il y a ces espèces de petits pics que vous voyez qui sont des micro-accélérations. Eh bien, tous ces indices, et il y en a plein d'autres, hein, tous ces indices vont nous être très utiles justement pour fournir de l'information sur la pathologie. Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de femme. Les caractéristiques du F, de femme, on va pouvoir les mesurer. Et on va les comparer à une autre situation, on va demander à l'enfant d'écrire fable. Au final, en termes de son, on est FA. À l'écrit, on a un coup FA et un coup FE. Avec une difficulté, avec cette histoire de E, E2M en français qui se prononce AM, c'est vraiment très très rare hein, comme situation. On sait que chez l'enfant, le F, les caractéristiques de F, des choses que vous voyez là, vont être modifiées. On va avoir un allongement de la durée, on va avoir plus de pics, nous on explique ça, hein, le système, comme c'est plus compliqué, il va ralentir un peu l'exécution et il va être plus erratique. Ça, c'est quelque chose qui est étayé. L'année dernière, avec une collègue, celle dont l'enfant a écrit, hein, Sonia Candel, on a montré que ces différences-là, celles que je viens de vous citer, sont d'autant plus importantes qu'il y a une dyslexie. On a tout ce qu'il faut. À partir de là, ce qu'on est en train de faire, je ne sais pas s'il y a des parents dans la salle qui ont des enfants sur les écoles de Poitiers, mais à partir du mois de janvier, on a, dans beaucoup d'écoles, on va collecter ces données, donc on va leur proposer des mots, des pseudomots, des phrases. On va collecter toutes ces données en grande quantité. Vous imaginez que déjà là, il y en a pas mal pour un seul mot. Mais alors en plus, on va faire ça avec plein de mots, on va faire ça avec plein d'indicateurs. Et mes collègues de Toulouse vont faire la même chose avec des enfants présentant dyslexie, dysorthographie classée. Là, on le sait que ce sont des enfants qui présentent ce trouble. Et à partir de cette masse de données, on va pouvoir apprendre à un système à classifier les deux. Nous, notre objectif final, puisque c'est, comme je vous le disais, c'est un travail qui est en plein développement, c'est une fois que tout ça est opérationnalisé, de proposer aux orthophonistes un système où l'enfant arriverait, ferait sa petite tâche, grosso modo on est à 25 minutes, 30 minutes, et à la fin on aurait un ensemble d'indicateurs avec un pourcentage, peut-être que le pourcentage n'est pas l'information la plus prégnante, mais ça faut qu'on creuse, enfin, tout au moins des indices quant au risque que l'enfant présente une dyslexie, dysorthographie. Et ça, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on s'appuie sur de l'intelligence artificielle. Parce qu'on va fournir au système des grandes quantités de données, il va apprendre à associer deux catégories,
tout à l'heure, la collègue parlait d'un apprentissage supervisé. Là, très clairement, on va être dans du supervisé, puisque très clairement, on va dire ça, ce sont des enfants sans trouble, ça, ce sont des enfants avec trouble. Et ce qu'on espère au final, c'est d'avoir un système qui non seulement prédise avec efficacité les groupes d'apprentissage, mais en plus soit capable, lorsqu'on lui fournit une nouvelle donnée, de nous orienter vers l'une ou l'autre des pathologies. Je ne veux pas vous dire que ça révolutionnera l'orthophonie, je n'ai pas cette prétention-là. Mais je pense qu'on peut, grâce à ce système-là, diminuer très fortement. À l'heure actuelle, on considère qu'il faut une vingtaine de séances d'orthophonie d'une demi-heure pour arriver à avoir une bonne idée de trouble. Voilà. Alors vous avez les différentes personnes qui participent à ce projet. Les collègues de collègues toulousaines, notre collègue de la MSHS et puis ma collègue du laboratoire. Et donc moi-même que vous m'avez reconnu, même si je ne suis pas bien. C'est des pensées, tout à fait. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Cyril, pour ta présentation. Alors d'abord, est-ce qu'il y a déjà une question ? Il se trouve que je suis toulousain. Et donc, je me demande si vous avez tenu compte du biais de l'accent. Parce que à Poitiers, par exemple, si on dit cerise, à Toulouse, on va dire cerise. Et donc, l'enfant, il ne va pas entendre la même chose, il ne va peut-être pas l'écrire non plus de la même façon. Alors, on a ce problème dans l'équipe dans laquelle je travaille, parce que nous, ce n'est pas un Toulousain, c'est un Marseillais. Je ne vais pas dire du mal, il est assis juste là. Sérieusement, ce sont des micro-variations. Et c'est ce qui est notre plus gros problème. Là, dans ce cas-là, on a l'accent. Mais on a des quantités d'autres informations qui interviennent. Et c'est toute notre difficulté. On travaille avec un spectre d'informations qui est très large. On ne va pas pouvoir travailler avec une représentation. Donc on va essayer au maximum de collecter un certain nombre d'informations avec l'idée de dire que peut-être certains paramètres devront être injectés. Typiquement, là vous me parlez d'accent, mais moi, en tant que spécialiste du langage, des quantités d'informations linguistiques autres, je peux les sortir. On va avoir un travail derrière d'analyse et de dire est-ce que certaines caractéristiques des mots, certaines caractéristiques des locuteurs, certaines caractéristiques de tout ce que vous voulez ne doivent pas être inclus dans le modèle de manière à avoir quelque chose de différentiel. Un diagnostic différentiel, en fait. Merci, Cyril. Est-ce qu'il y a d'autres questions immédiates ? Alors, pour conclure la série de présentations, je vais passer, avant qu'on fasse la table ronde et qu'on ait des questions potentiellement plus générales, je vais passer la parole à M. Ludovic Hamon, donc, qui est le délégué régional en charge de la région de Poitiers pour le CNRS et qui va nous dire quelques mots. Bonsoir à tous. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un long discours, juste quelques mots. Comme vous le savez, tout au long de l'année, il y a un certain nombre d'événements qui ont été organisés pour célébrer les 80 ans du CNRS. Ce n'était pas simplement la célébration d'un anniversaire, mais surtout la célébration de valeurs qui sont au fondement du CNRS. Ces valeurs, vous les connaissez, hein, c'est la liberté de la recherche, l'avancée des connaissances, le travail en équipe, l'excellence scientifique, le progrès social, l'innovation et le transfert, et surtout la diffusion de la culture scientifique. Et je pense que ce cycle de conférences était sans doute le meilleur vecteur pour assurer la diffusion de ces valeurs. Ce cycle de conférences, il était aussi, à l'image du CNRS, à l'interface de plusieurs disciplines. Et comme vous le savez, enfin, vous l'avez sans doute vu dans la communication qui a été faite autour des 80 ans du CNRS, le slogan qui a accompagné tous ces événements, c'était « Nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes ». Et pour moi, c'est l'occasion de remercier tous les personnels des laboratoires, chercheuses, chercheurs, techniciens, ingénieurs qui contribuent à faire avancer le front des connaissances et qui ont aussi contribué sur Poitiers à l'organisation de ce cycle de conférences. Donc merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, on est sur une phase où finalement vous pouvez poser des questions ou interagir, vous pouvez aussi poser des questions entre vous. Ou moi aussi d'ailleurs, sur l'ensemble finalement des cinq présentations, en dressant éventuellement des parallèles ou un certain nombre de choses. Merci. Bonsoir, j'aimerais savoir, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la collecte notamment des données
Et est-ce que vous coopérez avec d'autres pays pour collecter beaucoup de données, puisque pour l'intelligence artificielle, ça demande énormément de données. Merci. Alors effectivement, pour apprendre, notamment dans le système d'apprentissage profond, il faut beaucoup de données. Alors dans le médical, ça peut poser des problèmes, parce que d'abord, il y a toute rendre anonyme les données, voilà, je vais le dire comme ça. Et ce qui complexifie d'ailleurs aussi les choses, parce qu'à un moment donné, si on rend toutes les données anonymes, si vous voulez par exemple comparer les données d'un patient qui a passé un IRM il y a 2 ans et puis récupérer ces données à l'instant T, puis le suivre dans 2 ans, il y a un truc très simple, hein, c'est de le suivre avec son numéro de sécu. Si on n'a même pas le droit d'utiliser le numéro de sécu, ça pose des problèmes. Donc ça, c'est au passage sur la masse de données déjà qu'on peut récupérer au sein d'un même hôpital pour un même patient. Les données aussi, c'est parfois la richesse des hôpitaux. Donc les radiologues avec lesquels moi je travaille, ils sont un peu frileux à mettre en commun leurs données. Mais on y arrive justement dans le cadre de projets déjà régionaux, donc entre les hôpitaux de Limoges, de Poitiers, de Bordeaux. À l'échelle aussi nationale, je vous ai parlé des dermatos, là on avait travaillé avec des dermatos qui étaient à Lille, qui étaient à Rouen, qui étaient en région parisienne, qui étaient donc sur Poitiers. Donc on y arrive. Et puis effectivement l'échelle des projets européens où là on va travailler, donc là notamment on est en contact aussi avec des équipes en Italie où on va récupérer donc ces données. Maintenant, il y a aussi des méthodes qui permettent de travailler sur un petit nombre d'échantillons. Et nous, notamment dans le laboratoire I3M, c'est aussi sur ça qu'on travaille. L'IRM 7T, c'est le seul IRM en France qui soit à usage à la fois recherche et clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si vous avez une pathologie un peu déroutante, on ne va pas vous envoyer tout de suite sur la 7T, mais si après quelques examens avec la 3T, on n'arrive pas bien à déterminer ce que vous avez, on va vous envoyer sur la 7T. Mais donc, ça veut dire que derrière, votre cas va pouvoir non seulement être traité par les médecins, mais vos données anonymisées vont nous servir aussi pour nos modèles de recherche, pour les modèles d'Angélique, pour les miens. Donc ça, c'est très bien, mais sauf que ça, c'est possible uniquement à Poitiers. Des IRM7T, il y en a une autre à Marseille, mais qui est utilisée uniquement à la Timone en recherche et pas en clinique. Donc là, ça veut dire qu'il faut plein de protocoles pour donner l'autorisation d'utiliser les données. Et puis on ne pourra pas en plus utiliser les modèles tout de suite sur les patients. Il y a aussi au CEA Saclay, mais c'est uniquement en recherche. Donc ça veut dire que de toute façon, à ce jour, à Poitiers, on n'a pas d'équivalent ailleurs en France. Alors on travaille avec des collègues en Allemagne, aux États-Unis, même en Corée, mais il n'y a pas l'équivalent en France. Donc de toute façon, on ne pourra pas aujourd'hui collecter facilement des données d'IRM7T, par exemple, ailleurs en France. Donc on travaille sur des modèles qui nous permettent de travailler avec des échantillons plus réduits. C'est valable pour la 7T, c'est valable aussi pour toutes les pathologies rares d'une façon générale. Les pathologies rares, par définition, ça veut dire qu'on va avoir peu de données qui les concernent. Donc nous, notre credo, c'est dans ces technologies qui demandent des masses de données, d'essayer d'avoir des modèles, d'avoir des algorithmes qui vont réussir à travailler sur un petit nombre d'échantillons. Voilà. Mais vous avez raison, l'intelligence artificielle, le big data, ça repose aussi sur une masse de données et il faut travailler forcément avec d'autres. Il y a d'autres problèmes dans la mise en commun des données. Le premier, donc, l'équipement va jouer, mais on n'a aussi pas les mêmes protocoles en fonction des CHU. Donc on ne pourra pas comparer les mêmes séquences parce que tel ou tel CHU ne l'aura pas fait sur ses patients. Donc il y aura des manques de données. In fine, ce n'est pas très bon. Et pour l'apprentissage supervisé, il y a aussi des problèmes d'étiquetage. Je pense qu'on a tous entendu parler de cette copie de philo qui, corrigée par différents profs, peut obtenir entre 2 et 18. Bah, c'est pareil. Là, pas aussi flagrant, mais on va avoir ce même problème de finalement on a une tumeur, certains médecins vont nous dire c'est du haut grade, certains médecins vont nous dire c'est du bas grade, finalement quelle étiquette on met? Et si le patient était passé dans un autre hôpital, est-ce qu'il n'aurait pas eu une autre étiquette? Donc est-ce que notre base de données n'est pas faussée parce qu'on avait des médecins entre guillemets pas fiables, ou pas fiables selon nos critères en tout cas? Donc de manière utopiste, oui, ce serait génial d'avoir une base de données, mais il faudrait qu'il y ait les mêmes critères. Aussi, il y a des biais machines. Si on passe un même patient sur des machines différentes, on peut se dire qu'il va y avoir une différence qui vient pas que de la différence d'équipement, mais du fait que ce soit une autre machine. Est-ce que ce biais-là, ça ne va pas fausser nos algorithmes? Question.
faudrait quand même être rassurante. Hein. Donc, d'une part, bon, alors on a justement des. Enfin, les algos sont faits pour s'adapter aussi, et donc pour résister au fait qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes protocoles, etc. Maintenant, l'exemple que tu cites en disant bon, il peut y avoir des mauvaises classifications, bah, grade au grade, normalement, les radiologues, ils ne se trompent pas. Ou alors, c'est que. Vraiment, là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui. Bon, il est allé au pôle à départ du DG, et le lendemain, il n'était pas très clair, mais normalement, ça ne se passe pas dans la vraie vie. Le problème qu'on a, par contre, et qu'évoque Angélique, avec les bases de données, c'est que, par exemple, il y a des challenges qui existent associés à des conférences scientifiques. En imagerie médicale, il y a une conférence qui s'appelle MICAI, et qui, depuis 2012, regroupe des images, justement, alors, en particulier des images cérébrales. Et les chercheurs du monde entier viennent tester leurs algorithmes de segmentation, comme je vous l'ai montré, leurs algorithmes de classification de grades, plus récemment, depuis 2015. D'ailleurs, les résultats que je vous ai montrés à la fin, avec des pourcentages de précision là, qui vont de 78 à 95%, c'est issu du challenge MICAI. Le problème, c'est que, donc là, c'était très bien, on se dit, on rassemble des images, on a des images de différents hôpitaux, ça fait une base de données, une vérité terrain importante pour les algos d'intelligence artificielle, ça paraît bien. Sauf que la complexité, c'est de bien les construire, ces bases. Parce qu'on s'est aperçu que ces bases, elles avaient été annotées, donc justement pour faire la classification supervisée. De la même façon, voilà, j'annote en disant ça, c'est un verre, ça, c'est une bouteille. Là, il y avait des annotations pour dire ça, c'est du haut grade, ça, c'est du bas grade. Sauf qu'apparemment, ça n'a pas été fait par des radiologues. Parce que même sans être radiologue, on voit bien, voilà, quand on a travaillé un petit peu sur haut grade, bas grade, on voit bien que ça ne marche pas. Donc ce sont des informaticiens qui ont dû faire l'étiquetage eux-mêmes. Qui en fait sont tombés sur un problème qui est celui d'avoir justement peu de population avec peu de représentants. Et ça, c'est le problème de la sous-catégorie, le problème des pathologies rares. Heureusement, il y a beaucoup plus de bas grades qu'il n'y a de haut grades. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les gentils informaticiens là, du challenge MICAI? Ben, ils ont gentiment repris quelques images en disant « Oh, voilà, ça passera dans du bas grade ». Comme ça, ils ont équilibré leur population. Puis en fait, ça veut dire que les algos, ils apprennent mal. Donc le challenge, il est bien sûr d'essayer d'avoir des bases de données, et nous on va essayer de le faire hein, à partir de l'IRM7T, et on fait un club des 7T dans le monde. Bon. Donc on va essayer d'avoir des bases de données qui seront accessibles à tous les scientifiques et à tous les médecins. Mais attention, il faut effectivement bien faire attention que ces images soient bien annotées, y compris bien annoter les différences de protocole qu'a évoqué Angélique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on va chercher des métadonnées aussi, c'est aussi prendre du temps pour bien renseigner les informations. Sinon, on tombe dans la problématique de ce fameux challenge MICAI où il y a des gliomes de bas grade qui sont étiquetés, plutôt des gliomes de haut grade qui sont étiquetés comme du bas grade, et où, ça ne sert à rien d'avoir des bases comme ça. Juste une petite prise, enfin... complémentarité, il y a aussi la complémentarité des données, puisqu'on parle de données, tout dépend de la nature de la donnée, et donc arriver à une diversité de données, ça permet aussi d'enrichir la base, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai une question en fait un peu complémentaire de la précédente, qui est comment, justement, tout ça s'inscrit aussi probablement dans la perspective de ce qu'on appelle la science ouverte, c'est-à-dire mise libre, mise à disposition des données, d'ailleurs pas seulement d'imagerie et pas seulement médicale, mais en général des données de la recherche en général. En général, le CNRS, mais pas seulement, pousse beaucoup hein, dans cette direction, avec l'idée que quand on fait des recherches, quelles qu'elles soient, on puisse mettre à disposition les données avec justement des espèces d'annotations explicatives pour qu'elles deviennent finalement compréhensibles et réutilisables, soit réanalysables, soit mis possibilité de les mettre en commun, etc., etc. Donc ça part d'un mouvement qui en fait est un petit peu plus vague, et même plus général en fait que ça. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire donc l'avantage alors des structures comme les laboratoires communs entre les hôpitaux, les entreprises, etc., c'est que justement ça casse un peu ce côté où je vous dis les radiologues ils ont un peu tendance à dire c'est mes images. Les constructeurs, Siemens, General Electric, ils ont un peu tendance à dire c'est mon protocole et puis j'explique pas trop ce qu'il y a dedans. Ça, ce processus en fait qui est impulsé par le CNRS notamment en France, c'est justement d'inciter à mettre les données comme un bien commun finalement et donc accessible à toute la communauté scientifique et à tout le monde. Et ça, clairement, on voit bien, nous, avec les plus jeunes médecins, ils sont tout à fait dans cette idée-là. Ils ne sont plus dans l'idée « mes données m'appartiennent », ils se rendent bien compte qu'au contraire, de toute façon, l'outil va les aider, et que donc, ils ont tout intérêt aussi à partager leur expérience, parce qu'en échange, ils vont recevoir aussi l'expérience des autres. Quand on constitue comme ça des bases de données
comme on l'a fait par exemple pour les mélanomes, finalement ça devient tout le monde partage son expérience au lieu d'avoir dans sa tête voilà, moi j'ai traité tant de mélanomes dans ma vie. C'est aussi un partage d'expérience et qui va aider aussi à former les futurs médecins. Donc cette notion de science ouverte, tu as raison de le dire, qui est vraiment impulsée par le CNRS mais aussi par l'Europe, puisque donc la suite du programme qu'on appelle H2020 actuellement, ça va devenir Horizon Europe. Et dans Horizon Europe, il y a vraiment quelque chose qui est mis très très en avant et qui sera aussi une condition pour donner des fonds finalement à des chercheurs pour qu'ils mènent des projets européens ensemble. Ça sera cette notion de science ouverte. Il y a d'autres questions? Oui. Allez, j'arrive. Merci. Déjà, merci à vous tous pour ces belles présentations. C'était vraiment très intéressant. Moi, la question que je me pose, c'est en fait, à travers de vos diverses présentations, il y a des modèles qui sont faits et des solutions proposées pour aider soit des cliniciens, enfin, aider l'humain en général, et en quelque sorte, à un moment, déléguer une tâche à une machine. Et en fait, ma question, c'est dans la condition, dans le cas où une prise de décision est faite par un algorithme, par un modèle, une prise de décision est faite et est fausse, qui est responsable? Qui serait responsable? Est-ce que c'est la personne qui a développé le logiciel? Est-ce que c'est le médecin qui a utilisé le logiciel qui serait responsable? Et donc moi, j'ai pas doute sur le fait que vous tous, vous faites des modèles pas parfaits, mais imaginons maintenant qu'une personne se lance à créer un modèle qui a des défauts et qui rentre sur le marché. Est-ce qu'il y a des sortes de tests pour pouvoir dire, non, ce modèle-là ne peut pas entrer sur le marché parce qu'il n'a pas respecté telle et telle condition, des critères qui vont être de validation ou de d'évaluation, je ne sais pas, des choses comme ça qui existent. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il nous manque un juriste, là. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est vrai que, dans le Challenge Mikai, par exemple, les algos, là, alors, des fois, on voit des résultats géniaux, puis en fait, quand on les reprogramme, on n'a plus du tout les mêmes résultats, parce que... Donc, c'est vrai que... Et les médecins sont parfois très méfiants, parce que justement, quand ils voient des gens qui viennent leur vendre des algos, ils disent d'abord, tiens, on l'a testé sur ma cohorte de patients, puis on verra après. Alors, la problématique que vous soulevez, ce n'est pas seulement dans le domaine médical. On voit pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, il n'y a pas encore de voiture totalement autonome. C'est parce que justement, la législation ne le permet pas. Les questions que vous posez, c'est ça. Si ma voiture a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est moi qui étais au volant sans conduire? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est l'informaticien qui a fait le logiciel, etc. Donc dans le domaine médical, c'est pareil. À ce jour, la personne qui est toujours responsable, c'est le médecin. C'est-à-dire que le médecin, on lui donne des outils. Et c'est bien pour ça qu'il a intérêt à les construire aussi avec nous, ces outils. Parce qu'au bout du compte, s'il y a une erreur de diagnostic, c'est le médecin qui sera responsable aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que on a un jeune radiologue là, qui lance une start-up pour de l'aide justement au diagnostic de certains cancers. Et la question justement qui était, on a reçu avec lui des membres de la région là, qui vont l'aider à lever des fonds. Et la question qui était posée, c'est oui, mais alors maintenant, comment on pourrait justement finalement donner une espèce de label pour ces startups à leur logiciel, garantir que qu'il y a une précision particulière, tout est encore ouvert. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt, par exemple, d'une structure comme la nôtre, où on associe des informaticiens, des traiteurs de signaux d'image, un constructeur et des médecins, c'est qu'on fait nos propres outils et que donc le médecin, il est au cœur du problème. Et comme au bout du compte, aujourd'hui dans la législation, c'est lui qui est responsable de toute façon de son diagnostic, on lui donne des outils, mais il en est l'acteur. Mais ce que vous soulevez, moi, j'ai pas de réponse et il manque un juriste sur la table pour dire comment résoudre ces problèmes, comment l'intelligence artificielle peut avoir aussi ces réglementations juridiques qui sont... Ça, c'est un autre problème très très important. Sur une petite note humoristique, c'est aussi si ton ordinateur plante, et qui c'est la faute? Du constructeur, de toi, ou de cet adversaire sur League of Legends qui t'a un peu trop ennuyé? On ne sait pas. Moi, j'ai juste envie de dire, alors c'est les mères de famille nombreuses de 4 enfants qui parlent, c'est qu'il faut aussi apprendre à nos jeunes que ces logiciels, en fait, ce ne sont pas des choses magiques. C'est-à-dire qu'il faut des ingénieurs, il faut de l'intelligence humaine pour les construire.
que demain, ça sera bien beau d'avoir des intelligences artificielles qui vont conduire nos voitures, diagnostiquer nos maladies, remplacer, ben, on parlait des avocats, remplacer les avocats pour les jugements de divorce. Oui, mais j'ai le même homme depuis 30 ans, donc j'espère que ça va durer. J'espère qu'il m'attend à la maison. C'est la douleur qui m'égare. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, mais si un jour, c'est, de toute façon, si nos ordinateurs tombent en panne, qui va être capable, finalement, de les réparer? Qui va être capable d'alimenter ces algorithmes? Donc, il faut bien expliquer à nos jeunes que c'est intéressant de faire de la science, c'est intéressant d'écrire, de comprendre un peu des équations, de faire un peu de maths, parce que, il faut bien des intelligences humaines pour contribuer à ces intelligences artificielles qui nous aident à trouver notre chemin avec le GPS, etc. Donc, ça, c'est important d'en prendre conscience. Et ce que vous venez de dire aussi sur tous ces aspects législatifs, c'est aussi à prendre en compte. Oui, juste un point pour complexifier ce que vous venez de dire. Il faut aussi intégrer dans l'IA maintenant les algorithmes génétiques. C'est-à-dire ceux qui sont capables aussi, les systèmes d'IA, qui sont capables de se, entre guillemets, se reproduire. Et qui donc vont laisser avec un héritage, entre guillemets, hein, je mets plein de guillemets parce qu'évidemment c'est un vocabulaire humain qu'on utilise, mais qui sont capables aussi de laisser un héritage à leur descendance, encore entre guillemets. Et du coup, si on travaille avec la descendance, qui est le résultat d'un apprentissage, imaginons du deep learning non supervisé, comment on fait pour retrouver la responsabilité si on est au bout de plusieurs générations? C'est là où il faut en fait absolument travailler, et là on a besoin des mathématiciens pour le faire, sur la compréhension de ces systèmes, et notamment des réseaux de neurones. Par exemple, la preuve de convergence, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que le tout, ce n'est pas de savoir que votre système il a réussi à classifier comme il faut des objets, c'est de reprendre comment il a réussi à les classifier, quelle est la preuve de convergence. Parce que comme ça, la question ne se posera pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à savoir, le système, il a... vont évoluer, ils vont continuer à apprendre avec de nouvelles bases de données, mais on saura comprendre comment ils ont appris, quelle est la preuve de convergence. Donc ça reste sur le fait que pour moi, on a toujours besoin derrière de mathématiciens, on a toujours besoin d'humains qui seront capables de décortiquer le comportement des machines. Oui. Attendez, hop. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont un hôpital pourrait être organisé dans un monde futur où on aurait des systèmes très efficaces? Je pense à ça parce que vous avez dit tout à l'heure que ça peut donner plus de temps aux médecins pour ses patients. Mais on pourrait aussi imaginer une situation où finalement on serait reçu par des gens qui auraient une qualification moindre pour que ça coûte moins cher, qui utiliseraient des machines. Les machines nous donneraient un résultat très efficace. Et puis, on ne verrait un médecin ou quelqu'un de très compétent que de façon très exceptionnelle. Là, ça sera une analyse de rentabilité dictée qui est par une rentabilité pure. Et on connaît bien plein d'exemples hein, dans la technique, dans d'autres domaines. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Déjà, pour manipuler toutes les données, juste pour parler sur l'optimisation du soin, c'est vrai qu'il faudrait, ça passe avant tout par des systèmes d'information très performants, pour pouvoir récupérer finalement, à un moment donné, toutes les données liées à un patient. Toutes les données liées à son passé médical aussi, et puis des informations liées à sa génétique, etc. Donc ça demande des systèmes d'information très très performants, avec encore une fois tous les problèmes juridiques qui sont liés, c'est-à-dire que ça veut dire que quelque part vous avez vos données qui sont sur un cloud là. On va dire que l'hôpital de demain, ça serait un hôpital qui serait géré par un super système d'information. Vous arrivez, vous mettez votre carte de sécu, il récupère tous vos bilans de santé depuis des années, et puis il les compare avec les données qui sont déjà à l'hôpital, d'autres données qui vont être acquises. Donc c'est quelque chose qui est optimisé par un super système d'information, avec donc toutes les problématiques de gestion des données personnalisées, de tous les aspects juridiques. Donc là, il y a aussi des nouveaux métiers à créer autour de tout ça.
Après, on peut imaginer, et on en parle déjà quand on parle de la télémédecine, par exemple, en disant bah, il y a moins de médecins aujourd'hui dans les campagnes, on peut imaginer que le patient arrive, il prend en photo son bouton, son machin, bon, et puis en fait, bah, c'est une intelligence artificielle qui lui fait un prédiagnostic, et puis après, il est orienté vers un médecin. Personnellement, c'est pas vers ça que j'ai envie d'aller. Je pense que l'humain, c'est quand même mieux. Je suis pas allée voir mon médecin ce soir. Pourtant, j'avais rendez-vous à 7h30, mais bon, mais j'ai préféré être avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée, parfois, de rentabilité, de dire ces systèmes vont permettre de faire des prédiagnostics et après d'orienter les patients vers les médecins quand finalement il faut en arriver là, que le système n'arrive pas à trouver quelle est la pathologie réelle. Bon, on en retombe encore une fois sur les aspects après, alors à la fois juridiques, si le système se trompe, qui en est responsable, et puis après, sur d'autres aspects, là on est avec des gens du laboratoire de psychologie, je pense que déjà, aller voir son médecin, des fois, c'est la moitié de la guérison, donc est-ce qu'aller voir une machine, ça suffira ? C'est peut-être pas le monde que j'ai envie de voir demain, même si, encore une fois, on développe ces intelligences. Nous, on les développe dans l'idée qu'elles seront au service du médecin, mais pas pour le remplacer. Maintenant, vous avez raison, on peut tout imaginer. Il y a d'autres questions ? Oui. Alors, l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au fait que les Américains et les Chinois sont très présents dans la recherche, notamment sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous craignez pas qu'ils réussissent avant vous, en fait, et déposent des brevets qui feraient d'eux des leaders incontestés, en fait, sur le secteur ? Alors déjà, là, on est dans du logiciel. Hein. Donc, les brevets logiciels, c'est quasi impossible à déposer parce qu'il suffit de changer une ligne de code et puis ça y est, c'est plus le même logiciel, donc c'est pas brevetable. Après, l'avance qu'effectivement les Américains et les Chinois, ça peut être sur, comme vous le disiez, hein, par rapport à la masse de données qu'ils ont déjà. Et donc, les Américains, ils ont Google. Et donc, en fait, ils ont déjà des systèmes qui tournent bien. Et c'est comme ça que, l'exemple du chat, c'est pas pour rien. Il y a déjà des systèmes qui vous reconnaissent automatiquement toutes les images de chats qu'il peut y avoir sur Internet. Après, nous, on essaie vraiment de dire, on va travailler sur des choses spécifiques. Vous voyez, à chaque fois, dans tous les exemples qu'on a donnés, on s'est adressé à des domaines particuliers. Donc là, c'est le domaine de la médecine. On peut en envisager d'autres, il y a de l'aide au diagnostic dans d'autres domaines, mais c'est vraiment de se dire, nous on va travailler sur des pathologies plus spécifiques, vraiment en interaction étroite avec un médecin, et on va l'aider vraiment à valoriser son expertise à lui, son savoir-faire, et quelque part travailler sur des niches. Et là, je pense que c'est là où on sera les plus forts. Et encore une fois... reconnaître des chats sur Internet, ok, mais si on se trompe, c'est pas si grave. Par contre, se tromper sur une vertèbre endommagée, se tromper sur un gliome, même se tromper sur une pathologie aussi du langage qui va être handicapante pour l'enfant par la suite, c'est plus embêtant. Donc, je pense que c'est là où on peut avoir une réelle plus-value, c'est en travaillant sur des petites cohortes de patients, finalement, sur des choses bien spécifiques, et nous apporter des solutions qui seront vraiment adaptées à ces cohortes-là. Et après, oui, peut-être que la bataille est perdue pour aller reconnaître des Ferrari sur Internet, mais peut-être pas si grave. Une autre question. Bonsoir, je suis désolé pour déjà la naïveté de ma question, mais je vous la pose quand même. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on part en fait de l'intelligence artificielle, on part de la tumeur, et on prédit ce qu'elle va devenir, ou on la catégorise en fait. Et est-ce qu'il y a déjà des programmes qui sont faits pour faire marche arrière, en fait, partir de la tumeur et revenir vers la cellule saine pour voir un petit peu comment ça s'est développé, ou même partir de la cellule saine pour voir et faire des hypothèses pour voir comment elle se transforme et comment est-ce qu'elle devient tumorale, en fait. Oui, tout à fait. Mathématiquement, ça existe. Ça s'appelle les problèmes inverses et c'est aussi en développement, donc pas ici, je crois. Mais ailleurs, dans d'autres laboratoires, pour pouvoir revenir vraiment à la localisation et à l'état de la première cellule et savoir ce qu'on aurait pu faire, en fait, et pouvoir mieux prédire aussi par la suite. Mais
Alors l'idée aussi, donc, quand je parlais de prendre donc, des données de l'imagerie, de prendre des données génétiques, de prendre des données aussi d'environnement, etc., c'est aussi donc, finalement d'arriver, donc, toujours après, par des modèles inverses, et en regardant par exemple les liens qui ont été faits par ces systèmes d'apprentissage automatique, de regarder qu'est-ce qui a pu faire qu'une tumeur évolue ou pas. Et donc, bah, finalement, de revenir, comme vous le dites, à la genèse. Et donc d'arriver à dire, bah, y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, etc. Et donc, effectivement, de pouvoir ensuite eh bien, donner des préconisations. Il y a eu un lien qui a été fait alors, ça, sur, très récemment, par exemple, dans les villes, sur l'environnement, sur le fait qu'il y ait, qu'on vive dans un environnement avec de la verdure ou pas, et sur la longévité des personnes. Et donc ça, ça a été permis aussi par des intelligences artificielles qui ont collecté des données, donc tout simplement des personnes dans des grandes villes, et donc des données sur leurs environnements, est-ce qu'il y avait des arbres à proximité ou pas, et donc on a suivi comme ça ces personnes, et pour arriver ensuite à voir s'il y avait un lien entre leur longévité et l'environnement végétal qu'elles avaient autour. Et on a réussi à le prédire. Donc après, la conclusion simple, c'est de dire, quand on est en ville, il vaut mieux planter des arbres autour, il faut mieux vivre dans un environnement où il y a un parc autour que de vivre au milieu du béton. On peut en tirer des conclusions pour l'aménagement des villes. De façon générale, c'est un peu ça, c'est-à-dire que si on arrive à tisser des liens entre différents facteurs, c'est arriver à dire, pour éviter de déclarer un gliome, peut-être qu'il vaut mieux... avoir tel comportement, vivre dans tel environnement. Donc l'idée, c'est bien ce que vous dites. C'est non seulement de prédire l'évolution, mais aussi de revenir en arrière pour prédire quels sont les facteurs qui vont permettre de ne pas déclencher telle ou telle pathologie. C'est là l'enjeu. Il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, merci à tous les orateurs pour leur présentation, pour la discussion aussi, très riche. Et merci, bien sûr, au public. Et puis, par ailleurs, comme c'est la dernière séance des 80 ans du CNRS, on a prévu un apéritif et un petit peu à manger, un petit peu à boire. Et tout le public peut venir, puisque en fait, il y en a suffisamment, là, le nombre qu'on est. Voilà. Donc ça se passe dans le hall d'entrée, hein, de l'espace Mendès France.